Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement découvrir le jeu Méga Clochard, c'est parti! Vous avez le sommeil profond, même la tempête d'hier ne vous a pas réveillé. Vous vous souvenez de votre nom? Bah très simple, très simple. Mon nom, c'est pas compliqué, hein. Non mais, y'a rien de compliqué là-bas dedans, hein, voilà. C'est pas... Non. Ah, c'est mieux ça, bah oui. Voilà, c'est bon ça. Hey, Shrooms Connect, aujourd'hui vous avez un nom. Non, aujourd'hui j'ai un nom. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai dit aujourd'hui? Je sais pas. Enfin, au moins vous avez un nom, mais pas d'argent. Ah, ça c'est bête ça, hein. Pas de biens, pas de portefeuille. Ah, c'est vrai que le portefeuille, ça sert vachement à quelque chose, hein. Pas de mémoire. C'est réglé, bienvenue à Clocharville. Yo, tu con, hell, gueux, quoi. Bon, ça c'est d'espagnol, donc forcément, je connais le con, donc qui est avec, mais c'est tout, quoi. J'aurais pas de dire de plus. Santé, bonheur et faim sont vos stats principales. Quand l'une d'elles est à zéro, vous avez une semaine pour restaurer ou vous mourrez. Une semaine? Une semaine en vrai ou dans le jeu? Ah, il faut savoir. Attendez, il y a plusieurs trucs. Pour améliorer vos stats, choisissez une action dans l'onglet correspondant. N'oubliez pas, ce qui est bon pour votre santé n'est pas bon pour votre santé. J'ai mal lu. Ce qui est bon pour mon bonheur n'est pas bon pour ma santé. Paramètres. Ça peut être marrant de voir... Mais pourquoi c'est écrit en espagnol? Musica, FET, FET, ça veut dire effet, non? Je sais pas, c'est... Okay. Je sais pas. Optionnez, peut-être option. Non, je sais pas. Bon, alors. Ça part... Ah, donc c'est quoi, ça? Avec... Ah, franchement, je saurais pas te dire. J'ai un peu été nul en espagnol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est les records... Quoi? C'est quoi ces records de... C'est quoi ces trucs? C'est quoi? C'est quoi les bébés? C'est quoi les... Genre le mec, il a réussi à avoir 9,19 bébés? Le mec, il a coupé son dernier bébé en... En une portion de 1 cinquième, c'est ça? Je sais pas, je devine. Alors... Ah, je peux... Ah ouais. Non, mais non! Mais non! Péter dans un bus, quoi! Péter dans un bus! On passe à la prochaine. Alors, voler la nourriture des pigeons. Non, mais tu voles pas la nourriture des pigeons, gros. Arrête! Fouiller dans les ordures. Et ça, à la limite, c'est bien, tu vois. Voilà, hop, on va fouiller dans les ordures. Ah, mais merde, c'est criminel, ça. Je suis trop bête. Oh, bon, entreprise. Ah ouais, j'ai rien du tout. Et là? Ah, j'ai rien du tout non plus. Ok. Ah, il faut que je reçois une boîte. Une boîte. Mais non, faut pas que je rejoigne une boîte, pas possible. Mouvement infini. Ah, mais il y a des mouvements là, 399, hein. Ok, y a 500 mouvements, acheter des mouvements, ouais, restauration, restaurer totalement. Ouais, bon, on s'en fout. Alors, voler la nourriture des pigeons. Ouais, non, franchement, ça m'intéresse pas trop. Péter dans un bus, je sais pas si ça m'intéresse. Franchement, tu penses que ça t'intéresse, toi, à péter dans un bus? Ouais, pourquoi pas. C'est quoi ça? Est-ce que c'est notre argent? Non, c'est pas notre argent, mais c'est quoi alors? Ah, je me demande, c'est peut-être notre XP, non, je sais pas. On va peut-être, on va pas dormir. Ah, je sais pas, on va péter dans un bus, hein. Avez-vous pris froid, votre tout? Oh, j'ai pas eu le temps de lire, tu fais yesh, là. Bon, bon, allez, voilà, t'es content, t'as volé de la nourriture, t'es content. Non, mais il est content. Alors, échappé aux flics, vous étiez recherché, mais vous... Ah, mais vas-y, tu me laisses pas le temps de lire, là, c'est pas possible. Ah là là, moi, je te pète les dents, moi. Non, mais bon, voilà, quoi, il y a un moment. Je peux rien convertir, c'est ça? Ah si, je peux convertir en euros. Mais ouais, d'accord. Ça, c'est quoi, déjà? Je sais plus ce qu'il m'avait dit, ce que c'était que je pouvais changer. Ah oui, les bouteilles, mais oui. Bah, vas-y, on conserve un max, là. Voilà, on conserve un max. Ouais, ça sert à rien de garder des bouteilles, de toute façon, hein. C'est quoi, ça, 1 sur 5, taux d'échange? Je comprends pas. 1 sur... Je comprends pas. Non, je comprends pas. Bon, on va échanger de compte de l'or, là, hein. Compte de l'or? Ouais, non, 38 sur 1. C'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi, ça? Non. Ah oui, mais j'espère que quand on re-échange, ça... Attends, et là, c'est combien sur... Quoi, tu perds du fric en plus? Mais c'est dégueulasse. Mais non. Mais en plus, bah, c'est ça, je vais pas échanger, mais t'es ouf, toi. C'est pour perdre du fric. Ouais, donc y a pas moyen quand même de... Je sais pas, de payer quelque chose, quoi, genre ça, moi. Là, bord de la bière, non. Là-dedans, est-ce qu'il y a moyen de payer... What? Mais regarde, 100... Enfin,
15 milliards de pièces. Non, c'est pas ça. 1,5, enfin 1 milliard 500 millions. T'imagines, c'est énorme. Capacité du coffre x2. Ah, d'accord. Trouver un chaton. Non, pas vraiment. 4 jours déjà. Mais j'ai à peine de commencer. Et là, si on clique sur le personnage là-haut, et ben on a atterri ici. Et après, on peut genre aller apprendre des trucs. Genre, truc de ouf et tout ça. Après, on peut revenir sur lui. On peut aller sur la maison. Oh, les buissons. Buisson, c'est quoi le buisson? Ouais, ça fait rien du tout, le buisson. D'accord, après la boîte, ok, donc il me faut 50 bouteilles pour avoir la boîte. D'accord, ok, bah tu vois, bah, on va récupérer un maximum de boîtes. Bah ouais, bah attends. C'est quoi, c'est la bagnole? Ah, pieds nus, d'accord, pour l'instant je suis pieds nus, c'est dommage. Non, mais c'est dommage. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, on s'en fout. Le coffre. Ah ouais, d'accord, on s'en fout alors. Ah ouais, d'accord. Alors ouais, donc c'est quand même 1,20€ le chat, quoi. Hein, c'est wow. Et 1,19€ le chien. Ah, il est un peu moins cher. Pourquoi tu sais pas? On fout les ordures. Alors, une parodie de justice. Oh là là, vous me saoulez. C'est un truc de ouf. Mais c'est même pas drôle, quoi. On peut même pas lire. Vas-y. Ah, y'a moyen de gagner un maximum de bouteilles là, il m'en faut 40 moi, ce qui paraît. Ah non, c'est 50 bouteilles, je suis teubé. Allez, on va chercher notre petite boîte. Alors, bah voilà, on a une autre boîte, je sais pas à quoi ça a servi, mais on a une autre boîte, c'est déjà bien. Ça servit à rien. Du coup, on peut tenir un panneau grâce à notre carton. Ouais, grâce à notre carton, on peut tenir un panneau. Voilà, un panneau. Vomir dans une cantine, c'est marrant, mais tu te fous de moi? Mais c'est pas possible. Eh bah allez, c'est parti. C'est le mec. Et en plus, je fais plusieurs fois de suite, hein. Allez, c'est parti, on vomit un max, hein. Oh là, mais je te jure. Oh, mais des fois. Bon, faut que j'ouvre une entreprise, ok? C'est le début de la fortune d'entreprise. Du coup, faut que j'ouvre une entreprise. Seulement pour ça, il me faut un sous-sol. Il me faut un cours de débutant. Et des chaussons. Donc, c'est parti. J'avais pas remarqué, mais en fait, il y a des bruitages. C'est un truc de fou. Bon, il nous faut des cours pour débutants. C'est parti. Et bah voilà. C'était pas très compliqué. Et donc du coup, on a déjà une chose sur trois. C'est pas mal. J'ai acheté le chapeau du Père Noël. Ça m'a coûté un petit peu une blinde, hein, 30€ quand même. C'est pas rien. Et regarde ce que ça me donne. Ça me donne le droit de balayer des cours. C'est génial. Franchement, chapeau de Père Noël qui donne le droit de balayer des cours. Ça fait plaisir. On peut enfin acheter les chaussons. Et ouais, pour 200€, Montay, on achète les chaussons. Et après, il nous manquera plus que le sous-sol qu'on doit atteindre niveau 9. Et ouais, c'est pas rien. Et ben voilà, on est niveau 9. On a nos 500€ comme prévu. Du coup, on peut acheter le sous-sol. Ça donne quoi? Sous-sol. Et ben on a le sous-sol, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-dedans. On va aller dans l'entreprise et on va voir si on a tout ce qu'il faut. Et ben voilà, il nous manque plus qu'à avoir 2000 pièces. Ce qui est, enfin, 2000 or, ce qui est plutôt pas mal. Alors, juste pour info, on gagne un mouvement toutes les 20 secondes. Ce qui est plutôt chiant, hein. On va pas se cacher. Et en gros, quand on fait n'importe quelle action, genre on balaye des cours par exemple, ça fait un mouvement. Voilà, là il me reste plus qu'un seul mouvement. Par exemple, je vais balayer une cour, boum, hop là, zéro mouvement. T'as vu? C'est un truc de fou. Et genre toutes les 20 secondes, on gagne un mouvement. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Hein. Bon, on va terminer là sur ce. Alors pourquoi? Parce que ce jeu, bon voilà, c'est pas non plus un jeu extrêmement bien. Tu vois, c'est vraiment un jeu à pognon. Ça, on connaît les jeux à pognon, hein. C'est... Allez hop, voilà, hop, là on a 2000. Ouais, on a 2000, on va pouvoir récupérer des collections. Non mais... On va pouvoir se faire une petite entreprise, tranquillou, regarde, récupérer la collection, boum, hop là. Pas de mouvement, mais même pour faire ça, t'as besoin d'un mouvement, stoppé, attends. Voilà, allez, hop, voilà. Alors, certains veulent tout brûler, mais vas-y, tu vas me saouler. Putain, je jure. Bon, ça me donne quoi, par contre? Là, parce que j'ai récupéré la collection, ok, mais ça m'a donné des trucs, enfin... Ok, alors j'ai compris à quoi ça servait, cette collection, là, récupérer la collection, là. En fait, tu l'achètes et à chaque fois que tu vas faire un mouvement, donc par exemple faire un mouvement pour être payé, hop, on va gagner des bouteilles, t'as vu? Hop, là on gagne des bouteilles. Donc du coup, ça peut te permettre de travailler et en même temps gagner des bouteilles, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc au fur et à mesure que tu avances dans le temps, tu gagnes des bouteilles en même temps. Du coup, bah tu vois, c'est mieux, au moins t'es pas obligé de toujours fouiller les jardins ou tout le machin. Mais il vous reste une chance. La vie vous a joué un tour. Vous a joué un, mais il vous reste une chance. T'as pas fini ta phrase, je crois, là. Ah, donc du coup, si on ressuscite, 2€ et quelques, quoi, pour ressusciter. Et si on abandonne? Non, on est obligé de Non! On est obligé de tout redémarrer? Tout ça parce qu'on est mort?
Mais c'est sérieux ce jeu? C'est sérieux? Mais non, un truc de fou. Et donc du coup, bah, moi je vais aussi sur ce, hein, voilà, on s'est fait une petite découverte tranquillou, d'un jeu pas non plus extrême. Ah, j'aurais pu m'attendre à mieux, mais bon, c'est pas très grave. Disons que le jeu n'est pas assez fluide, c'est ça le problème. Mais d'un côté, pourquoi il est pas fluide? Bah pour nous inciter à payer, hein. Ah bah attends, il est pas fou le mec. Enfin bon, moi je vais aussi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.